Bonjour à tous, bienvenue chez Montmagny Hyundai. Vous êtes avec Heidi Tremblay, conseillère aux ventes pour les véhicules d'occasion. Alors aujourd'hui, je vous fais la présentation d'un magnifique Santa Fe XL 2018. Alors de couleur argent, très très beau mag. Également, vous remarquez l'échappement qui est double. Donc ça donne un très beau style. Vous avez également la caméra de recul sur le véhicule, mais aussi le hayon automatisé. Alors, j'ai simplement appuyé sur le bouton et le hayon s'ouvre de façon automatique. Alors, espace de chargement lorsqu'on utilise les 7 places assises. Très facile toutefois de les replier. Alors, ça va m'avoir pris un grand total de quelques secondes et je viens de multiplier de façon très, très importante le rangement disponible. Alors, pour rebaisser la valise, très simple, j'appuie sur le bouton et ça se fait de façon complètement automatique. Alors, je vous montre tout de suite les bancs arrière qui sont en excellent état. Vous avez également une section qui se déplie et qui vous offre le rangement pour les verres. Et vous retrouvez également la présence de bancs chauffants 2 intensités à l'arrière. Alors, pour ce qui est de l'avant, on remarque tout de suite le petit bouton juste ici. Donc, c'est parce que c'est un véhicule qui vient avec ce qu'on appelle un bouton poussoir pour le démarrage. Donc, ça veut dire que je peux laisser ma clé là, à l'intérieur de mon sac à main ou de mes poches. J'en aurai pas besoin, ni pour débarrer le véhicule, ni pour le démarrer. Alors, j'ai bien évidemment là, les vitres électriques, les portes électriques, les rétroviseurs électriques et chauffants. J'ai également un bac conducteur qui s'ajoute de façon complètement automatique. Donc, l'ajustement là, ne se fait plus de façon manuelle, seulement électrique. Donc, la hauteur autant que l'inclinaison et le soutien lombaire. Alors, on peut voir le kilométrage du véhicule, 36 376 km. Également, la portée nous indique on peut faire combien de kilométrages avec le plein d'essence actuel. Si je me transporte juste à côté du volant, je vais retrouver l'ajustement du rétroéclairage, les modes de conduite, l'assistance à la descente, l'antipatinage, les détecteurs d'angle mort, le volant chauffant et également caché juste ici, lock, donc la possibilité de barrer mon véhicule, à 4 roues motrices, donc vraiment là, à 25% d'énergie par roue. Pour ce qui est du volant maintenant, vous remarquez l'ensemble des contrôles radio, la reconnaissance vocale et le Bluetooth, et bien sûr le cruise control. Le véhicule est muni d'un écran tactile, comme vous pouvez le constater, également d'une caméra de recul avec les lignes qui s'adaptent. Donc vous voyez, la ligne jaune, elle bouge au même rythme que je bouge mon volant. Donc vous savez toujours où votre véhicule va s'arrêter. Véhicule également doté d'une transmission automatique avec les bancs chauffants avant 3 intensités. On les voit pas très bien, là, mais il y a également 2 prises 12 volts, une prise USB et une prise auxiliaire. Et finalement, une caractéristique que j'aime beaucoup. Vous remarquez le A ici et le 29 ici. Je pourrais le baisser, là. Ce que ça signifie, c'est que j'ai le chauffage bizone. Donc, chacun de mes passagers avant va décider la température qui lui convient. Donc, ça peut éviter bien des discussions. C'est donc un véhicule qui est très, très bien équipé et qui vaut la peine d'être vu. Une très, très belle finition, un véhicule de qualité. Véhicule qui a d'ailleurs été honoré par les critiques à de très nombreuses reprises. Alors, je vous invite à passer nous voir chez Montmagny Hyundai. On est au 75 boulevard Taché-Est à Montmagny. Passez par l'essai routier, vous ne serez pas déçus.